Comme disait Jean-Claude Bomissot, l'avenir n'appartient pas seulement à la jeunesse, mais elle appartient plutôt à une jeunesse consciente. C'est dans cette même optique que Elinda et Lindsay vous présentent Conscience, une émission à caractère social, spirituel et culturel qui débutera le mardi 21 juillet et qui sera diffusée chaque mardi de 21h à 22h sur les ondes de CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord. Conscience, on travaille maintenant en main pour nous déterrer conscience nous. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans notre première émission Conscience. Nous remercions tout d'abord l'équipe CPAM de nous avoir donné cette chance de pouvoir nous exprimer avec notre voix pour démontrer que la jeunesse haïtienne peut s'impliquer pour un changement. Donc, avec cette émission Conscience, ce titre-là vient du fait qu'on s'est inspiré de la citation, je veux dire, de Jean-Claude Bossimo qui dit « L'avenir n'appartient pas seulement à la jeunesse, mais à une jeunesse consciente ». Donc, avec cette émission, nous allons apprendre des erreurs de nos anciens, changer les mentalités toxiques et essayer d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, ensuite, nous allons parler du sujet d'aujourd'hui qui est la ghettoisation, l'inégalité des chances. Donc, on va vous laisser avec ce titre « Conscience nous notre trou » chanté par Manu Charlemagne. Qui ça osis qui fait pour nous? La vie mettez-nous à genoux, même ben y pas fait effet sur nous. Nous fait des trois grines tout partout, y'a plutôt prendre pour loup-garou. Malgré ça, conscience nous l'entroue. L'y trop tard pour nous démontrer les autres, tant que nous caillons dans l'autre, mais dès nous, nous mes matelot. C'est pas faute nous, c'est les aïeux. Que mon forfait qu'on est consigné, qui t'est tracé sans contrôler. Dans l'espoir, si mon va viendra, continuer, Eve la j'en yovelé. Mais au lieu de ça, nous restons là. Nous t'es un coup chien enragé. Colon vient prendre l'eau, nous l'arrêter. Des lignes tirées par les Français. Sagesse là, c'est pour nous sa fête. Esclave là, pour nous ses richesses. Pour adapter nous, c'est celle chef. Apatrier, rapatrier. Expédier toutes ces mots français. Apprendre paquet pour tripotier. Sans jamais faire effort mandé. Pour qui ça zote, c'est là l'arrêté. T'es me cherchant moyen pour m'aider. La fait une classe pour le diriger. M'a fait une pour me conscientiser. Jou malé, m'a va commander. Un malin délibéré. Pour l'autre malin, peut-être ça va changer. On nous garde la malhonnêteté. Sans pétriment, mais le bœuf là s'en va couler. Malheureux besoin la manger. Sans passer un bon matin, la va tomber. C'est pas chita bal discours. Qui pape la végèle, qui pape la végème tout. Même moi, m'te qu'on dit pour ça que v'lé. C'est égoïste d'antan ça y est, ak sa rien pap ka mache. Corruption chit à tout côté, si tout kay neg yo costumé, élément que misé lâché. Moun sa yo kou yo arrivé, en bas pou yo pas existé, pour un petit rien vous en lâché. Mon tes amis bagay passé. Changement de classe, changement de race. Réalité, faut m'accepter. Mais l'aime songer longtemps, c'est Rousseau. A Claude qui compte simplifier mot. Moi, toute vie, moi, fais zéro. Pas malin délibéré. Pour l'autre malin, peut-être ça va changer. On nous garde la malhonnêteté. Sans pétriment, mais le bœuf là s'en va vider.
Malere besoin la manje, sans passer un bon matin la va tomber. C'est pas chita bal discours, qui pape la végem, qui pape la végel tout. Rebonsoir à tous et à toutes. Donc, comme ma collègue Lindsay l'avait dit plus tôt, le sujet de ce soir va être la ghettoisation. Donc, je vais vous expliquer l'origine, puis ensuite Lindsay va vous expliquer les conséquences, puis pour finir, on va vous expliquer comment y remédier à ce phénomène-là. Donc, dans le fond, le phénomène de ghettoisation n'est pas trop différent de celui de ségrégation. Donc, dans sa définition propre, la ghettoisation correspond au fait de distinguer un groupe de personnes d'un autre en la mettant à l'écart. Donc, on parle généralement de ghettoisation envers les minorités visibles et évidemment, les personnes issues de milieux moins favorisés ne sont pas épargnées. En lien avec le racisme systémique également, il y a des barrières sociales, économiques, éducationnelles qui sont mises en place intentionnellement dans ces milieux-là pour limiter et garder la population stigmatisée au même endroit sans possibilité de graver les échelons. Donc, quand on dit que les Noirs doivent travailler 10 fois plus pour s'en sortir, c'est pas une blague, c'est la réalité. Parce que nous avons des barrières mises en place par le système intentionnellement qui sont là pour empêcher notre avancement et pour empêcher qu'on s'en sorte de ce genre de milieu ghettoisé. Donc, les barrières qui nous rendent captifs également de là où nous sommes. Plus tôt, j'ai mentionné que la ghettoisation concerne généralement les individus qui vivent dans la défavorisation et les minorités visibles. Ce n'est pas sans raison. Parce que, croyez-le ou non, là, d'un point de vue économique, la précarité est plus présente chez les Noirs que chez les autres ethnies. Donc, pendant cette semaine, je regardais quelques statistiques sur Statistique Canada, puis j'étais vraiment choquée. En 2016 seulement, donc avant-hier, si on peut dire ça comme ça, 21% de la population noire vivait en situation de faible revenu, comparé à 12% du reste de la population. Également d'un point de vue social qui concerne la famille, comme nous le savons que la famille c'est le berceau de la société, donc la société c'est la famille c'est une image de la société, mais chez les familles noires, selon Statistique Canada, 19,3% des familles noires sont monoparentales comparé à 7% des familles venant du reste de la population. Donc la monoparentalité est un facteur de pauvreté aussi. Donc, c'est un facteur de risque de pauvreté parce que qui dit monoparentalité dit c'est un seul revenu qui rentre à la maison. Donc, premièrement, les Noirs ont moins de possibilités d'emploi que les autres. Et deuxièmement, en plus de ça, les familles noires sont plus monoparentales. Donc, ce sont tous des facteurs qui font en sorte que économiquement, il y a un taux de précarité, un taux de pauvreté plus élevé dans les familles noires. Puis également, croyez-le ou non, entre le salaire d'un homme blanc et un homme noir qui font le même travail, qui ont les mêmes capacités, il y a un écart de 16 000 $ de revenus annuels. Donc, vous pouvez aller vérifier, c'est des statistiques choquantes, mais c'est la réalité. Puis vous pouvez aller vérifier sur Statistique Canada, puis vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Puis je suis sûre que vous le savez déjà, mais une personne avec un nom de famille qui sonne haïtien ou africain a moins de chances de se faire appeler pour une entrevue qu'une personne avec un nom de famille qui sonne, on va dire, québécois. Donc, dans le fond, M. Jean-Baptiste a moins de chances de se faire appeler pour une job que M. Tremblay. Donc, toutes ces contraintes, qu'elles soient économiques ou sociales, constituent des facteurs qui servent à garder les minorités visibles dans la situation précaire qu'ils se trouvent déjà, avec peu de possibilités de s'en sortir. Donc, maintenant, les personnes qui vivent dans ces milieux doivent soit s'y faire, soit accepter leur sort, si on peut dire ça comme ça, ou soit se battre pour s'en sortir. Donc, ceux qui arrivent à s'en sortir le font parce qu'ils prennent conscience du système dans lequel ils sont
et ils ne veulent plus demeurer là-dedans. Donc, il y a ceux qui veulent s'en sortir, c'est sûr qu'il y a un travail de conscientisation qui se fait dans leur mental et dans leur environnement. Mais ceux que leur conscience n'est pas éveillée, malheureusement, demeurent dans cette précarité et ils élèvent leurs enfants dans celle-ci. Donc, dans les milieux ghettoisés, la pauvreté intellectuelle, financière, sociale, ça devient une culture. Car la culture, par définition, c'est l'ensemble des valeurs, comportements, mœurs qui caractérisent une société. Donc, ce qui caractérise ce groupe de personnes ségrégées, malheureusement, c'est leur pauvreté commune, leur précarité commune, leurs problèmes psychosociaux qu'ils partagent entre eux. Donc, la culture, elle ne se limite pas seulement à l'aspect économique ou familial, mais elle s'élargit même au niveau de la langue, de la façon de se comporter, que ce soit en public ou en privé, de la conception qu'on a de soi ou qu'on a de l'autre. Par exemple, dans les milieux ghetto, malheureusement, il y a une carence au niveau de l'éducation, ce qui a pour résultat qui fait qu'il y a une carence au niveau du langage. Donc, tu vas voir dans ces milieux-là, les gens ont un vocabulaire ou un langage moins soutenu. Et ça, ce n'est que le résultat de la culture dans laquelle ils sont. Ce n'est pas eux qui font ça comme ça, mais ce sont des causes et des effets qui accompagnent ces causes-là. Donc, les gens dans ces milieux-là manquent d'éducation et même parfois, ils rejettent l'éducation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire reprocher en tant que noir par un autre noir que vous parlez comme un blanc, tout simplement parce que vous vous exprimez bien et vous avez un vocabulaire soutenu. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé qu'un noir, qu'une personne dans mon entourage me dise « Oh, elle parle comme une blanche ». Simplement parce que je m'exprime comme du monde, j'utilise un vocabulaire soutenu et parfois je me fais reprocher que j'habite à Repentigny, je parle comme une blanche, etc. Mais je ne savais pas que parler bien, parler clairement, à utiliser un bon vocabulaire était synonyme de blanc et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ghetto était synonyme de noir. Donc ça, ce sont toutes des petits commentaires, des petites mentalités que nous avons qui sont le résultat visible de l'esclavage et de la colonisation. Donc tout ce qui est bon, on l'associe au maître et tout ce qui est mauvais, ben on l'associe à l'esclave. Donc on reconnaît une personne aussi par sa façon de s'exprimer. Donc moi, j'ai deux petites sœurs et je suis très stricte sur la façon dont elles s'expriment et les mots qui sortent de leur bouche, parce que seulement avec ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, nous pouvons être classifiés ou nous pouvons avoir une étiquette sans pour autant que nous venons dans ce milieu-là. Donc, la culture, comme on le sait déjà, la culture se voyage. Donc, la culture ne reste jamais là où elle est, là où son origine est. Donc, elle voyage de communauté, de société en société. Donc, cette culture ghetto qui adopte un langage ou un vocabulaire qui n'est pas soutenu, mais malheureusement, cette culture toxique, elle va voyager ailleurs. Et vous allez voir des personnes qui ne font même pas partie de cette culture, des personnes qui leurs parents leur ont donné une éducation soutenue, des personnes qui leurs parents ont travaillé fort pour les sortir de là. Vous allez voir, ces personnes-là, ils vont utiliser ce vocabulaire-là, tout simplement parce que la culture, ça voyage. Elles ont des amis ou bien ils ont des amis qui font partie de cette culture et qui leur enseignent ces vocabulaires-là. Donc, je crois que seule la façon de parler de quelqu'un en dit beaucoup. Et je crois que le vocabulaire qu'une personne utilise peut en dire beaucoup sur son, je vais dire en anglais là, sur son background ou bien sur son palmarès, comme les Haïtiens aiment dire. Donc, ils peuvent apposer des étiquettes et te classifier sans pour autant que tu demeures dans cette catégorie de personnes. Donc, en tant que noir, je pense que c'est important qu'il faut faire attention. Parce que, soyons sérieux, comme nous sommes étiquetés rien que par le fait que nous sommes des noirs. Donc, imaginez notre façon de parler. Donc, nous sommes étiquetés pour quelque chose que nous n'avons pas choisi d'être. Donc, je pense que si
on peut choisir de prendre quelque chose ou bien de délaisser cette chose. Si on peut choisir, ben on peut faire attention. On peut dire, moi, je ne veux pas utiliser tel langage parce que je ne veux pas porter l'étiquette qui vient avec cet endroit. Donc, il y a certaines étiquettes qu'on peut éviter d'avoir sur notre dos. Donc, si nous pouvons choisir comment nous exprimer, nous pouvons éviter une autre étiquette inutile qui ne fera que limiter encore plus nos chances d'épanouissement dans la société dans laquelle nous émergeons. Donc, là, je vais faire place à ma collègue Lindsay qui va nous parler des conséquences de cette culture de ghettoisation. Donc, cette culture de ghettoisation a aussi un impact sur notre psyché. Parce qu'on se sent qu'on n'est pas entièrement accepté par le système. Donc, ce sentiment de mépris éprouvé à cause des humiliations par les représentants de la société intégrée, par exemple, il y a le profilage racial et les brutalités policières. Donc, on va remplir ce vide par une affinité avec le ghetto dans la communauté. Donc, cette affinité par le sociologue Loïc Wakan est historisée par le dénigrement de soi. Donc, ce dénigrement de soi s'explique lorsque l'individu se met intentionnellement une barrière psychologique qui va conditionner l'échec en s'appuyant sur des circonstances exceptionnelles plutôt que sur des dispositions internes. Donc, cet handicap est causé par la pression et les attentes. En d'autres mots, c'est une excuse qu'on se donne d'avance pour s'autodétruire. Donc, on vient se faire une évaluation subjective ponctuelle de soi à un moment précis, et cette estime de soi devient de plus en plus faible dans le temps, selon les situations expérimentées dans la communauté. Donc, les jeunes garçons sont plus enclins à fréquenter des gangs de rue à cause de la culture « I'm from the hood, je suis de la street ». Donc, cette culture du hood est fondée sur la violence et les rapports de force. Donc, ces jeunes garçons veulent se sentir valorisés et accepté, et de là, il se crée une estime de soi qui est basée sur la culture populaire, qui n'est pas nécessairement bonne. Donc, cette culture populaire toxique mélangée avec la précarité du milieu ghetto prône une lifestyle ou un mode de vie de pauvreté qui les apprend que l'éducation est secondaire et que tout ce qui compte, c'est de l'argent, peu importe la manière de le faire, et il faut le faire le plus rapidement possible. Donc, les jeunes filles et les jeunes garçons ne veulent plus travailler dur et légalement pour gagner leur vie, et ils veulent le « easy way out », comme on dit en anglais. Donc, l'argent sale, et c'est ce qui les amène dans la prostitution, le proxénétisme et la vente de stupéfiants. Même les musiques que nos jeunes écoutent font la promotion de ce genre de culture, de l'argent gagné par la fraude ou par la prostitution. Donc, après, on s'étonne quand le Québec ou le Journal de Montréal nous appose une étiquette de proxénète et de fraudeur. On s'offuse quand ils voient un noir réussir et qui dit « Ah, c'est sûrement un proxénète ». Que fait-on? Nous avons une part de responsabilité. Nous devons nous désétiqueter, on va dire, pour travailler ardemment pour nous débarrasser de plus d'étiquettes possibles pour qu'on nous appose. Puis, si je peux rajouter quelque chose, Lindsay, en parlant des étiquettes, il y a une étiquette que tellement qu'on nous le répète qu'on a fini par accepter, puis on se sent bien. Par exemple, l'étiquette qui dit que les Noirs sont toujours en retard. Mais cette étiquette est devenue une norme. Puis c'est comme on se sent bien là-dedans. Genre, quand quelqu'un nous invite à un endroit, puis la personne nous dit c'est à 2 heures, puis on lui dit 2 heures haïtiennes, 2 heures africaines, tu sais. Mais c'est comme on accepte les étiquettes qu'on nous donne. Et, mais ça va paraître moins drôle quand tu vas aller à un emploi, puis tu vas te faire refuser à cause de ce préjugé, à cause de ce stéréotype. Tu vas moins rire quand tu vas aller postuler dans un endroit, puis il y a un blanc qui va postuler à ce même endroit, puis ils vont préférer le choisir parce que toi, tu portes une étiquette de « t'es toujours en retard ». Puis l'employeur, il va dire « ah, de toute façon, les Noirs, ils sont toujours en retard, donc je vais prendre l'autre personne là, tu sais, c'est mieux, moins de casse-tête, j'aurai moins à le chicaner ». Donc tu vas trouver ça moins drôle, donc
C'est ça, il faut mettre les chances de notre côté. Exactement. Donc, il y a une deuxième conséquence de cette culture de ghetto, il y a l'abandon scolaire. Et l'abandon scolaire, le décrochage scolaire, est un phénomène majeur et un problème majeur au Québec. Le taux de diplomation secondaire cesse de diminuer. La réussite scolaire est codépendante du statut social. Ce que je veux dire par ça, c'est que les mauvais résultats scolaires sont spécialement associés aux étudiants issus de milieux défavorisés. Dans ces quartiers, le taux de décrochage scolaire peut aller jusqu'à 50%. De plus, n'oublions pas la hiérarchisation des écoles dans le système d'éducation qu'on a au Québec, contribue à une culture de ce ghetto. Donc, les écoles privées et semi-privées ont des programmes plus enrichissants et font leur sélection d'élèves. Donc, les deux écoles sont comme deux pôles opposés. Donc, pour les jeunes issus d'une famille immigrante, il y a une déviance qui sont qualifiées par des frustrations nées du décalage entre l'intégration culturelle des jeunes et leur désintégration économique. Chez les adultes immigrés, nous allons constater que la durée du chômage est plus longue, voire 10% de plus que la moyenne, que celle dans les autres quartiers. Donc, cette durée vient premièrement de la discrimination systémique, sans compter les facteurs de nationalité, la validité du diplôme étranger et de l'expérience professionnelle. Donc, ça a été beaucoup d'informations. Donc, nous allons faire une petite pause musicale encore. Et on vous revient après. Yeah, daddy, ma main, ouais, mon yomen. Ouais, point en bordel. La route tranquille. Mon yomen tranquille, ouais, grand-père, man. Je suis son partner, gain, lord. Ouais, c'est dur, ça, man. Moi, je vais aller en dehors, c'est vrai, mais. Pas espérer tout le bagaille, j'en ai quitté, parce que y a un peu de bagaille qui change. Moi, je vais aller en dehors. Tout pays en bas, comme ça, je comprends. Ouais, c'est vrai, ça. Je souhaitais ça, man. En tout cas, la coule à Camon et la coule tranquille, ouais, c'est vrai, ça. Je suis content, même si c'est ça que vous faites, man. All right. On reviendra, man. Bélo. Trahison fait nous négliger. Principe grand monde.
passé si tout le monde va qu'à décider ensemble. Fini une discorde dans la couaille, yeah. C'est vaillant de voir pour toute la stamme. Pour mettre l'ordre, mettez l'ordre, mettez l'ordre, yeah. Tu es là, tu es là. Not to tread.